Bonsoir les amis, ça y est, on y est. Chose promise, chose due. La promise, yeah, j'ai promis. Il y a quelques mois, on était en octobre-novembre. Enfin, avant le Japon, hein, bien sûr. Voilà, on y est. Collection Bayonetta. Ouais, bah oui, j'ai tout acheté. Ouais, j'ai tout. Voilà, tout est là. Bon, c'est une collection express à vie. Express ce soir, collection Bayonetta. Sur Bayonetta et 20. Après, vous voyez, j'ai dit octobre, octobre, j'avais avant d'ouvrir celle-là, version vecteur de Bayonetta 3, ensuite version que je ne peux pas vous montrer, qui est la fin toujours, enfin, octobre, et guide, tout est là, voilà. Bien sûr, vous l'avez déjà vu, c'est de la collection Switch, allez, on va de l'ordre, tout est là. Les Bayonetta Collection, ce qui manque, c'est juste peut-être bah oui, il manque plein, il manque la version Xbox, la version Wii U, et version Switch, mais bon, ouais, voilà, donc voilà. Alors là, c'est les collections donc, du plus récent, du plus ancien au plus récent. Pas très rapidement, hein, très vite vivant, Bayonetta 1, son collecteur, vous voyez. C'est une époque, sorti en 2009-2010, voilà. J'ai un peu acheté la chanson malade en plus de Japon, mais j'ai pas pensé, alors que c'est juste pour l'objet, hein, parce que là, c'est comme petit CD audio à l'intérieur, le jeu est sur Pierrebook et tout, voilà. À l'époque c'était vendu comme 70 euros je pense, 80 balles, plus ou moins. Mais là ça va bien plus cher. Mais c'est au bout par exemple le jeu normal de base c'est moins de 10 balles, je pense, pas, quand je trouve, mais ils trouvent pas. Mais le problème c'est qu'ils trouvent pas d'une part à magasin. Au Japon aussi, mais au Japon c'est la roche, parce que au Japon ils ont pas des trucs. Ici non, ici beaucoup moins. Bayonetta collection, voilà. Donc là, ah oui, c'est bon. Ça j'ai montré avant de partir. Allez, non, c'est la version live que j'ai acheté ici au Japon. Alors ça c'est la version PS4. PS4 et plus inclus, sorti en février 2020. Au Japon, c'était après, quelques mois après. Sur The Valais, le même jeu, sur les patines différentes, avec un petit livret, une notice à l'intérieur. C'est pas rien, mais c'est pas mal. Ça fait un petit charme et tout. Voilà. Sur le jeu est autochtone, donc le jeu est donc tout standard. C'est-à-dire que vous voulez, comme dans la version PS4, vous pouvez être le jeu japonais, français, ça passe. Hein. En plus, il y a le nid qui est en double, vous pouvez faire deux fois, c'est où je pense. Mais c'est les deux, mêmes jeux. Voilà. Belle boîte, comme vous pouvez voir ça. Nice. Hein. J'ai vu le look, qu'elle trouve le plus. Hein. À l'époque, ça sortait en 2020, que c'était quoi, 40 balles par plus. Ça, j'ai payé à 2500 yens, c'est-à-dire entre 15 et 20 euros par volume, moyenne le jeu. Voilà. Donc, ça, c'est la version PS4. Et après, maintenant, les versions Wii U. Elles sont malins, elles sont Switch, pas Wii U. J'ai que ça. Dans le... voilà. J'ai que les trois versions Switch du jeu. Alors, la version la plus rare du coup, Wii U, peut-être même pas, parce que ces versions-là, le 1, qui est en Switch, sorti en 2018, je pense. Là, on trouve l'Europe, parce qu'ils avaient sorti en boîte. Sorti qu'au Japon, peut-être aux États-Unis, on va en boîte et attraper l'exemplaire. Donc, si tu l'as pas acheté quand c'est sorti, bah, tu l'avais dans l'os, parce que là, c'est une belle boîte, le lecteur, tout ça, avec le cartouche. Alors donc c'est le 1, que j'ai Japon, allez, on va y avoir un prix moyenne environ 3000 yens. De 9 au 15 plus ou moins, 3000 yens c'est pas grand chose, hein, 3000 yens c'est voilà. Et aussi le numéro 2, et bah, le 2 aussi, hein. Et quoi c'est coteau aussi, tout pas. Ça j'ai payé au Japon en 9 à 6000 yens, en 9. En moyenne en tout cas c'est 5500 yens, en moyenne, donc autant dans le 9. Puis c'était à trader, c'était au milieu de ces jours, et j'ai acheté parce que j'ai acheté une Switch, et c'est bon, le football est là. De toute façon, je suis fan, j'achète le 1. Donc là, les deux m'ont coûté 9 yens pour les deux jeux, et comme j'avais déjà le 3 avant le Japon, le 3 en version de temps derrière. Et là, donc ça fait les 3 jeux. Et là, en plus, je suis en train de le refaire en live, avec plaisir. Donc pour l'un j'ai fait quelques semaines, et le 2 et le 3 je vais le couvrir en live. Le 1 j'ai eu 2, j'ai commencé tout à l'heure, j'ai eu 5 heures dessus, et le 3 après, et ça sera fait. Voilà, ça c'est le 2, donc le 1 pourra, bah,
Oui, bien sûr, la faute est japonaise, mais le jeu est en français aussi, son langage. Disons, moi, déjà, les jeux Game et Sega sont les jeux multinationaux, à part exception, je pense pas, mais tous les jeux là, peut-être, des jeux que l'on l'a coulé. Et aussi, les petits guides, vous les avez vu la fois aussi, hein, le guide Bayonetta, S de Bayonetta, il existe un appareil pour les deux, et peut-être tu l'as acheté, mais non, il est tout honnête, pas trop cher, enfin, très cher, dans 40 balles quand même, au Japon, bon, c'est les mêmes prix, hein. Là, pour acheter le guide, voilà, pour se l'avoir, voilà. Et ça, c'est le guide français du 1 aussi, voilà. Vous pouvez acheter l'époque aussi. Là, ça aussi, ils sont les plus chers. Les guides, c'est pas comment les yeux plus chers, pourquoi ça a un titre, hein. Mais les guides, eux, sont plus chers, parce que eux sont très, 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 en général, les sorties limitées. Je ne vois pas des compères monstrueux. Voilà, ne sont pas beaucoup des compères, c'est exprès, parce que c'est bien que tu les achètes pas, hein. Les guides, comme c'est là, ce qu'il veut. Donc, c'est ma petite collection Bayonetta. Et je compte acheter après, ou après, on verra après. Tout ce qui est sûr, c'est que je serai en live dessus. Quasiment, je sais que je peux, voilà, je vais live que je m'achète, évidemment. Hein. Donc, la qualité n'est pas top encore, je suis là, mais ça va mieux. Voilà, petite collection Wii U. Voilà. Petite collection Bayonetta. Bayonetta. Allez, tout est là. Bayonetta. On aime, on n'aime pas, moi j'adore. C'est extraordinaire. Je kiffe ça, hein, en faisant tout. Voilà. Conseiller, évidemment. Hein. Pour le 1, vous me le trouvez, plus le Japon est que j'ai à repartir décembre. Il n'y a plus beaucoup de magasins, il n'y a quasiment plus. Hein. Cette tour s'est vrai dessus, ou la tour s'est derrière lui, elle te finit par acheter, etc. Je suis content de l'avoir. Dans la bonne état. Après, c'est terrible. Après, c'est. Et bien, dommage, mais là, c'est le bas, mais que c'est que sur Nintendo. Courage. Enfin, pour l'instant. Hein. Comme moi, je suis prêt. Voilà, bonne état, collection, c'est parti. Appréciez. Si vous aimez cette vidéo, commentez, like, je vous attends, message. Partage, merci beaucoup, à l'avance. Allez, à bientôt, merci à tous, à bientôt. Pardon, à bientôt, live. Au revoir, au revoir. Ciao, ciao les amis, ciao, ciao.
Retest. Allez, comme ça, c'est pas mal. Il y a ici là, vous voyez, les jeux sont là. Tout est là. Le Python Collection. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. C'est bon.